Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mario. Aujourd'hui, la suite du Let's Play de God of War, les amis, sur PC. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter, bien sûr. N'hésitez pas à me dire votre Je t'en ressenti, prie, ce que vous en sans la paix pensez, la d'Amine du qualité, jardin, je ne est-ce qu'elle pourrai vous pas le correspond sauver. bien? Est-ce qu'il faut que Délivre-toi. je parle plus, moins? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je mette ma caméra ou pas? N'hésitez pas à donner des conseils, les gars, c'est mes premiers Let's Play de gros jeux. Donc voilà, on est parti pour la troisième partie, comme je vous ai dit, on va sauver le sanglier, les amis. Je vous invite bien sûr à aller voir la partie 1 et la partie 2 si vous ne l'avez pas vue. Voilà, et à mettre un petit commentaire en passage en donnant votre avis pour que je m'améliore pour la suite. Donc, eh ben écoutez, je vous invite à qu'on aille jouer directement, bien sûr, sans perdre de temps, hein. Allez, c'est parti, les amis. On va sauver le sanglier, regardez, hop, il est là, il est blessé, le pauvre. Mais maintenant, à nous de le soigner. Avec Monsieur Kratos. Donc apparemment, je sais plus. Voilà, faut cueillir des fleurs, les gars. Allez, let's go. La carte d'Amine, parfait. Tu as aussi la racine rouge? Ah Le mince. garçon est parti la chercher. Tu pourrais peut-être l'aider. J'ai oublié la racine rouge, les L'onguent gars. ne fonctionnera pas sans ces deux ingrédients. Honte à moi. Il doit être dans le côté droit, à mon avis. On va aller le chercher, voir où il est. Il doit être là, petit. Il est Tu peux là. m'aider? J'arrive pas. Un environnement qui est très joli, les amis. Hein. Enfin, vraiment un bel univers, quand Avec même. ça, Ce jeu peut-être. est quand même fantastique. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. Allez, ouais, petit. T'as déjà perdu le J'y ferai couteau. plus attention, c'est promis. Allez, gamin. Rejoindre la sorcière. Oh là là. On va aller voir la sorcière, les amis. Hé, sorcière. On vient sauver le cochon. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. C'est vraiment classe, hein. Franchement. Et suivez la lumière. C'est vraiment beau. Sachant que le jeu est sorti en 2018, les gars. Faut le rappeler, hein. Est-ce qu'on se reverra? C'est vraiment une qualité de ouf. Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remet Boussole de sur la le chemin de sorcière. la Vous avez montagne. obtenu la boussole de la sorcière. Prenez La pas de boussole risques. s'affiche Va-t'en. en haut de Prends ça. l'écran et pointe Serre-toi vers pour votre prochaine t'orienter et tâche. trouver Suivez le ton marqueur de la chemin. boussole pour atteindre le bureau. Okay. Elle pointera Le bateau, toujours vers pardon. ton Ouh, objectif. le bureau, les gars. Je sais pas pourquoi je parle du bureau. Oh.
À ta droite, un projectile. Ouais, il va tuer le gamin. Des cauchemars. Maman me parlait d'eux. Je pensais pas qu'ils existaient vraiment. Des cauchemars. Oui. Ils te donnent des cauchemars. À moins que ce soit eux les cauchemars. Je me souviens plus. Si seulement je pouvais lui demander. Allez, let's go. On récupère toutes les ailes qu'on peut récupérer, les gars. Ah, on a un talisman. Ça vaut le coup de tout détruire? Non. N'importe. Allez les gars, on prend le bateau. On atteindra la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Il y a du brouillard, hein. Voilà la montagne. On est tellement proche. C'est joli. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Regarde ça. C'est Thor. Thor, le dieu du tonnerre. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh, ça doit être Baldur. Baldur. Mon dieu Az, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit « Sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. » On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? Mince alors. Ça sent pas bon les gars. Atreus, accroche-toi. Beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois?
Et là, c'est la montagne. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai. Là, à côté du drapeau. Allez, les gars, on va aller voir ça. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? Et un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'apparaît plutôt grand. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze. Ah, des ennuis, les gars. C'est justement quelque chose pour moi. Ah non, c'est le forgeron. Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Tu te déplaces toujours au pas de course comme ça? Attrapé! Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Un truc pour le petit. On a dû le temps de rechargement dans la clé. Protection de torse. On va lui augmenter l'arc. Tu te fais envie, mon grand? Allez. Chose. L'enchantement qui améliore la vitalité de 3. On peut tout prendre. Moi j'augmente tout, les gars. Tout prix, les gars. Ah, ok. Aux chances d'obtenir un atout grâce. Chaque lancée de précision réussie. D'obtenir un atout de don de force à chaque coup de fondant. Vas-y, on prend ça, hein. Chance avec tout. Voilà, j'ai amélioré, les gars.
Alors là, il y a des compétences, les amis. On va rapprocher. Maintenez. On va servir un coup de fondoir. Ah, stylé! Puissant coup après un enchaînement d'attaques rapides. Ok, ça c'est cool aussi. Faire une esquive. Ok. Enchaîner rapidement vos coups. Ah, c'est sympa aussi. Lors d'un sprint. Par contre, non, je vais prendre ça là. Maintenez pour une attaque. Aussi. Voilà. Il y a ça qui dirait que j'ai d'autres trucs là. Franchement, c'est vrai que c'est il y a vraiment des choses intéressantes, c'est vraiment ce qu'il y a. Il y a l'arc aussi. Ah, ça c'est pour mon gamin sur moi les gars, non? Si c'est ça, ça augmente. On peut augmenter les dégâts du petit. Ok. Ce saccage. Intéressant les gars. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une petite sauvegarde. Hop. Ça coûte pas de pain. On s'en va de là. On a pris un petit buff. On va bien avoir des ennuis, non? Ça serait trop gentil. Tout aille bien. C'est bizarre. Pas de bruit, rien. Voilà. Combat avancé. Atreus. Atreus est plus sûr de lui lors des combats et peut désormais aider Kratos à le fonctionner d'ennemi quand il veut une priorité. Cette compétence peut être améliorée. Avec un peu de chance, cette tour mène à la montagne. Je suis prêt. Franchement, les ennemis sont vraiment stylés là, c'est ce que j'ai vu. Je connais pas ces runes. Si on retrouve le code, je pourrais les traduire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire, les gars? Voir ici. Ça ressemble à un dessin. C'est peut-être une carte. Oh, peut-être une carte au trésor. Thank you.
Mince. Voyons les gars, j'étais pas très fort. On y arrivait, on y arrivait. Là on a... On va aller là. Quand le niveau de l'eau a baissé, de nouvelles plages sont apparues. On devrait les explorer pour trouver des ressources. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai? Oui, elle se battait merveilleusement. Viens voir ici. Viens. Que veux-tu? Des ennemis devant! Voyons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Vous vous êtes bien battu. Vous êtes... moi? Tu es très perspicace et imprudent. Fais attention en allumant ces brasiers. Les flammes attirent les Éléens et les séistres comme des papillons. J'imagine que c'est vous qui nous avez libérés de notre tombe aquatique. Non. Les autres esprits. Le lac des Neufs en est plein. La plupart quittent ce royaume à leur mort. Mais d'autres, comme nous, restent coincés à Midgard jusqu'à ce qu'ils trouvent la paix. Vous pouvez peut-être les aider. Nous n'avons pas l'intention de t'aider, esprit. Oh, mais c'est déjà fait. Je voulais juste voir le ciel une dernière fois. Adieu. Ok. Augmente la force, la défense, la chance. Bon, il a disparu. Viens, ne nous laissons pas distraire. Écoutez, je pense qu'on a tout vu sur la plage là.
pouvoir bouger. Je pense que de côté il y avait un bateau aussi. On aurait peut-être dû explorer, les gars. À propos des distractions. Mais ils ont l'air d'avoir besoin d'aide. Ce sont des esprits, Atreus. Ils sont morts. Ils n'ont pas de besoins, seulement des envies. C'est pas bien de les ignorer. Tu surmonteras ces émotions. Maman aurait voulu qu'on les aide. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. C'est ce que je pensais. T'as compris, gamin? T'es pas là pour nous embêter, hein. C'est moi ton père, c'est moi qui commande. Bon, t'aurais pas une histoire pour passer le temps? Quel genre d'histoire? Je sais pas. Ta mère avait plein d'histoires. On t'en racontait pas quand t'étais enfant? Ah si. Les histoires sont pour le bateau. Nous devons marcher. Oui, père. Ah, c'est vraiment stylé ça, les gars. Atreus. Il y aura bien quelque chose à explorer là-dedans, là. Je me demande qui a écrit ça. Récupère l'oseille, les gars. Allez. Bon. Oh. Bien, quand vous aurez fini de bailler au corneille, j'aurai un service à vous demander. Qu'est-ce qu'il fait là? Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Eh ben non. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier. C'est un nain, lui aussi. Il porte un bel anneau vert, et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah, d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. Ah là, d'accord. Il nous offre ça en tête. Les mines de Volund sont juste derrière ces portes. C'est le moment d'aller y jeter un œil, tu ne penses pas? Oui, on va y aller tout de suite. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras. Ces runes disent la mort règne ici. Oh bah, des bons présages, les gars. La mort règne ici. Bon, Brock a dit que son ami était un nain. Oula. Et qu'il portait un anneau vert. Cherche-le. Je vais rassembler des provisions pour notre voyage. Tu veux pas l'aider? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas au service des nains. Oh. Oh. Au service des nains. Non, non. Mais il n'a pas d'anneau. Un membre de son clan. Les traces de feu, là, sur le sol et le mur. Étrange. On va continuer à chercher. Hein? Non. Je vais continuer. Oh. Kratos, en fait, c'est une tête brûlée, mais il est trop gentil, en fait. Il y a un truc. C'est un dévoreur d'âmes. S'il nous tue, c'est fini. Pas de Valhalla ou d'enfer pour nous. Pas de vie après la mort, rien. Il n'attaque pas. Ah. D'après maman, ils étaient plus dangereux que ça. Ne baisse pas ta garde, alors. Viens. C'est parti. Accouche-moi.
Regarde, qu'est-ce que tu veux, saloperie? C'est tout? Vous en voulez encore? Pas lui. Hé, hey, je croyais que ça t'intéressait pas. J'ai simplement remarqué qu'il n'avait pas d'anneau. Bon, finalement, on va suivre la bête, quoi. C'est ce que je vois. Hey, gamin. Elle est morte la sorcière là, c'est bon. Ah, c'était bien caché les coffres, hein, les gars. J'ai regardé partout. Hein. Pas d'anneau. On trouvera pas l'ami de Brock en vie. Pas vrai. On verra. Là, regarde. Ah, il y a quelque chose par terre. Ah, il y a un truc à casser, les gars. Accroché au dévoreur d'âmes. Ah ouais, ouais, c'est chaud là. On sait ce qui est arrivé à Onvari maintenant. On peut aller prévenir Brock. Pas besoin de l'affronter. Hein? Bah si. Va l'affronter. Pourquoi? Parce qu'il te fait peur. Bon, petite erreur de parcours, les amis. Arrive.
Moi je me suis pas vu mourir comme ça, les gars. Je vais pas vous mentir, j'ai mal géré. Les gars, c'est pas possible. ça arrive, les gars. Bon alors, c'est ce bordel, là. Pas assez fort. Je pense qu'il faut que je tue ça en premier, les gars. Voilà. Les amis, je gère pas. Hein. Ou alors c'est trop dur, j'en sais rien, mais c'est pas au niveau, mais je pense que je joue mal. Faut que je sois un peu moins bourrin. Arrête, je peux pas bouger là. Oh, c'est beau ça. C'est un peu... c'est pas évident. Ouais, mais non, les gars, c'était chaud, hein. Waouh! Hey, c'était pas simple d'un coup, les adversaires, les gars, là. Punaise! Waouh! Hey, j'en ai bavé un peu, là.
C'est vraiment pas simple les potes. Hein. Quand on y va, on est vraiment blessé, on doit aller voir la créature. Là franchement on était dans un cul de sac. Est-ce qu'il y aura des vies en haut? On pose d'où on vient là. Ah non, on est obligé d'aller là-bas. Hein. Allez. Bon bah écoutez les gars, on y va. Hein. Ah, comment on fait pour y aller là? Non, faut que j'ouvre la porte, je pense qu'il est en haut. Il doit avoir un truc à casser là par là. Faut que je trouve quelque chose à casser, les gars. Je pense que c'est la porte qui est complètement à l'opposé. Il manque un truc. Il manque le dernier talisman, les gars, pété. Il doit être quelque part. Hein. Il y en a un qui était là. Il est pas là-dedans, des fois. Il doit être quelque part. Il est où? Ah. On va pas le louper en dessous, faut pas. Il y avait un qui était par là. Ah mais il est là les gars. Voilà. Vous voyez les gars, c'est vraiment bien caché hein. Faut quand même regarder un peu partout. Avoir les yeux partout quand même. Allez. C'est de la folie. Comment on pourrait tuer une chose faite de pierre? Sois brave, Atreus. Concentre-toi et cherche son point faible. Oui, père. Bon, mais allez, les gars. Normal. Ne fais pas de bruit et pas de gestes brusques. Heureusement que je lui ai dit de pas faire de geste boost, les gars.
Oh, oh. Ouais, oh. Prendre ouais, les dégâts lui. Aïe. Ah, par contre les adversaires sont pas très faciles quand même. La folie. Comment on pourrait tuer une chose faite de pierre? Sois brave Atreus, concentre-toi et cherche son point faible. Oui père. Ne fais pas de bruit et pas de gestes brusques. Tu es avec moi. Laisse-moi le temps. Il n'aime pas le feu, le gars, en fait. J'ai ma vie les gars, je prends un coup, je suis mort quoi. J'ai un petit peu embêté les gars, je crois que j'aurais pas dû détruire les... C'est pas évident les gars, c'est pas évident. Aïe 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 aïe. C'est de la folie. Comment on pourrait
tuer une chose faite de pierre. Sois brave, Atreus. Concentre-toi et cherche son point faible. Oui, père. Ne fais pas de bruit. Et pas de gestes brusques. Tiens-toi prêt, mon garçon. Ah, c'est pas évident, hein. Oh, mais attendez, je suis en train de voir un truc, hein. Ah, je crois que j'ai compris, les gars. Non, c'est des points nus, je crois. Faut aller. C'est de la folie. Comment on pourrait tuer une chose faite de pierre? Sois brave, Atreus. Concentre-toi et cherche son point faible. Oui, père. Ne fais pas de bruit et pas de gestes brusques. Ah ouais. Wow, incroyable, ça a marché. Ouais, bah c'est bon les gars. On va le défoncer là, allez. Voilà les gars. Alors on y arrive. En fait le truc c'est de trouver les faiblesses, c'est chaud. Ne doute pas, tu
Tu es plus fort que tu le penses. Oh, des reliques, les gars, un bon épique, oui. Une inscription en langue naine. C'est la Chimse. Mais où est son corps? Réduit en cendres, sûrement. Le dévoreur d'âme l'a eu. Bon, on va y arriver, les gars. Rapporter ça à Brock. Allez, gamin. Bon, mais les gars, on y arrivait, déjà, c'est bien. Et il était pas simple, hein, au début. Hein. Mais en vrai, une fois que t'as la faiblesse, en fait, il est pas très compliqué, en vrai. Et c'est ça, c'est bien, un jeu comme ça, que c'est super intéressant, vous voyez. C'est pas d'y aller, tu tapes dessus, et puis voilà, c'est fait, quoi. Non, ils ont des faiblesses, quoi, ça, c'est cool. C'est très intéressant, ça, par contre. Ces runes ont été écrites précipitamment. Ça se prononce... Ijim Steini. J'ignore ce que ça veut dire. On demandera au Nabo Bleu. Ça t'intéresse maintenant? On a trouvé l'alchimiste. Il nous avait promis une récompense. C'est parti! On va le défoncer, lui. Oh. On va le défoncer, lui. Oh là, lui, il a rien compris, les gars. On en descend ou pas là? Je m'en rappelle plus. Oh, faut qu'on aille là-bas, je crois. Non, on aille là. Ouais. Ma vie, c'est un truc de fou, les gars. Par contre, je sais pas si j'ai les bons stuff, mais non, je prends des dégâts de malade. Faut que je fasse gaffe parce que. Non. Ouais, faut que je regarde mon stuff hein, parce que les dégâts, ils sont très importants quand même. On va aller voir le nain. On est revenu au départ, les gars. Ah, mais voilà, il est là. Qu'avez-vous trouvé? Ton alchimiste. Brock. Sa main est tout ce qu'on a retrouvé avec l'anneau encore dessus. Il y avait un dévoreur d'âmes dans les mines et il a dû brûler ce qui restait de lui. J'imagine que vous voulez votre récompense, hein? Évidemment. Évidemment qu'il dit, Mionneferoxy. Ah, bah c'est pas mal. Au bout de hache. Très faible chance d'obtenir un peu de barrière protectrice qui immunise contre les dégâts de t'attaque une mèche. Varie a peut-être laissé un peu de magie avant de passer l'arme à gauche. Les nains peuvent faire ça? Bien sûr! Les nains sont attirés par la magie comme un chien par ses propres bourses, s'il est souple. Non, ça m'intéresse plus vraiment, finalement. Augmente la force, la défense et la chance. Améliorer cet équipement pour augmenter les stats supplémentaires. Ah oui, tu vas en faire des
avec ça. On va améliorer le gamin. Et pour le petit ? Quoi d'autre ? Alors, on reste dans le coin pour causer un peu ? On vient de par là, je m'en rappelle plus. Bon, on vient de là, faut qu'on aille là-bas. Voilà. On va retourner voir notre mission, non ? Du coup, on a fait ce qu'on avait à faire. On est passé à côté d'un gars. Okay. Bien, Atreus. Voilà, on n'a pas fait attention tout à l'heure en arrivant, les gars. Il y a une porte pour les voir le nain, ok. Donc là, on va repartir voir un peu ce qu'on peut faire. Hein. Alors, t'as une histoire à raconter ? Je connaissais un homme autrefois. Ses histoires étaient brèves et instructives. Et bien ? Est-ce que tu t'en souviens ? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue. Comme chez la sorcière ? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il se défie dans une course de vitesse. Le lièvre est trop sûr de sa victoire et stupide. La tortue est réfléchie et disciplinée. La tortue gagne. Tu racontes pas souvent d'histoires, hein ? Et il a raison. Atreus, par ici. Viens. Par contre, les dégâts que je reçois, c'est un truc de fou. Eh ben punaise.
Ça manque un peu de vie quand même dans le coin. Ça manque un petit peu de vie là, non? On l'ajoute à la collection. Allez. Bon. Il y a de l'oseille mais pas de vie par contre. Les amis. Ça serait bien qu'on ait un peu de vie quand même. Hein. Je suis en train d'endurer les coups là. Ah, du coup, je peux pas l'ouvrir. Il y a quelque chose qui bloque, les amis. Wow. Oui, il y a du coffre là. Il doit avoir une bête ou quelque chose qui va y casser, non? Ok, il doit y avoir un truc à faire. Je pense qu'il faut que j'ouvre là et que je me décale. Suis-moi, Atreus. Je te suis. Si je vais là, là. Ah, je peux pas le péter comme ça. Eh, on dirait une roue à aube. Enfin, plutôt une roue sous l'aube. Est-ce que tu viens de rire? Non. T'es sûr? Oui. Je ne ris pas. J'avais remarqué. J'ai compris, les gars. J'ai pas vu l'autre côté. Mais bon. Et là, du coup, je referme. Tac. Et là. Voilà. Oula. Viens m'affronter! Les dieux n'ont que faire de tes appels, esprit. Ils ne t'écoutent pas. Ne raille pas mon désir de vengeance. Ma famille avait peut-être consacré sa vie à Vénérétor, mais j'ai consacré la mienne à sa chute. Et j'entends commencer par cette statue qui surplombe la tombe de mon père. J'en doute. Tu es mort. Est-ce qu'on peut vous aider? Moyennant récompense, bien sûr. Si vous abattez la statue, je vous autorise à piller la tombe de mon père. Il repose sur une île, à l'est. Pourquoi vous détestez autant Thor? Quand mon père est mort, ma mère a érigé cette statue pour veiller sur sa tombe. Imaginez notre surprise quand le dieu du tonnerre en personne est venu offrir ses condoléances. Au début, nous étions ravis, mais rapidement, il a abusé de notre hospitalité. Ma mère l'a supplié de partir, et Thor l'a tué dans un accès d'ivresse et de colère. Je suis resté seul avec mon chagrin. Et puis ma peine a disparu, pour laisser place à la haine. Oh, je suis désolé. Viens, mon garçon. Nous avons une statue à détruire. Mmh.
Pour booster les équipements et tout, c'est bien les gars. Donc là, on va retourner au bateau et puis... La tombe de mon père se trouve sur une île, à l'est. Ne confondez pas la statue. Cet esprit. Celui dont la mère a été tuée par Thor, qu'est-ce qu'il a? Que son histoire te serve de leçon. La vie des hommes n'a aucune valeur pour les dieux. Je sais, père. Tu sais. Mais est-ce que tu écoutes? Oui. Bien. Tu me racontes une autre histoire? Une seule. Il était un cheval. Un cheval qui cherchait à se venger de son ennemi, un cerf. Mets ça de côté. Nous devons continuer à pied. On finira plus tard? Peut-être. Atreus! D'accord. Veithogard. Avant-poste sud du roi nain. Un nain? Roi? T'as déjà entendu parler du roi nain? Non. Hé, hey Brock, t'as déjà entendu parler d'un roi nain? Je suppose que tu parles de Mötzognir. Cette crapule régnait sur les hommes qui peuplaient la région avant. Il s'est construit un château au nord d'ici. Un château de nains? Il ressemble à quoi? Et pourquoi t'irais pas voir par toi-même, hein? Mais je vous conseille de faire le plat avant d'y aller. Ce vieux fou de Mötzognir était réputé pour collectionner toutes sortes de bestioles sanguinaires. Et je ne sais pas qui s'en occupe de nos jours. Une envie particulière? N'hésite pas à revenir avec plus de revues à refourguer. Et les gars, on y va? Oh, il y a de la bête là. Joli, franchement, l'environnement change et tout quand plus t'en avances, puis ça c'est vraiment sympa. Par contre, il y a de la neige, il y a de la roche, il y a de la végétation, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Suis les indices. D'accord. Bon, les traces de feu, elles sont toutes regroupées, donc ils se cachaient peut-être pour échapper à un cracheur de feu, mais ils sont morts quand même. C'est parti! Atreus, par ici. Oui, père. Maudit soit le roi, non? Léo des hommes. C'était pas un très bon roi, apparemment. Je me demande pourquoi ils le détestaient autant. Ils sont morts de toute façon. Quelle importance? Aucune. Je suis seulement curieux. La curiosité peut être dangereuse. Reste concentré. Qu'est-ce que ça dit? Bien. Veissadoth. Ça veut dire chasseur de mort. Génial. Au fort, mon pote. Soulève ça comme si c'était un petit caillou. Qu'il fait pour construire des statues aussi gigantesques? Les nains sont des créatures pleines de ressources. Pénibles, mais pleines de ressources. Il devait être très important parmi les nains.
T'entends ça? Bon bah attendez, c'est quoi ça les gars? Wow! C'est un dragon les mecs? Ah ouais! C'est un vrai dragon? Punaise! Ah ouais! Atreus! D'accord! Parfait! J'ajoute ça dans mon journal. J'ai fait un bond, les gars. Mais elle est là, la statue qui voulait qu'on détruise, non? Il y a une statue de Thor sur cette île. Ça doit être là où le père de l'esprit est enterré. Ouais, ça doit être ça. Bon, il est vraiment stylé, il est là. On va aller voir par là les gars. Il y a des signes et des symboles ici, il y a quoi? On va monter. Je pense qu'il faut aller vers le dragon, ouais. Faut aller vers le dragon et esquiver ses attaques. Fais attention au souffle du dragon. Je sais, ouais. Atreus. Oh, c'est stylé ça. On a défoncé les gars. Ouais. Ça prend mieux, mais... On a réussi. Il nous a tout le dragon. Ça devait être un petit village. Ah
Oh, les gars, c'est pas belle celle-ci là. Franchement, les gars, elle était pas belle là. On attaque là. On peut le libérer, le dragon, les gars. Ouais, je pense que si. Hein. C'était sûr, les gars. Ça semble juste. Contrôle tes émotions, Atreus. Tes ennemis n'hésiteront pas à s'en servir contre toi. On sera obligé de tuer. Oh. Ouais. Je serai prêt. On verra. Merde.
Il faut qu'on retourne en haut, les gars. Monter là. Atreus avec moi. C'est bon. Faut qu'on cherche, les gars. Oula, oula. J'attends tes ordres. Bon là, je pense qu'il y a du combat. Ben voilà. C'est marche. Ah, je pense qu'il faut monter les mettre. Ah.
Alors ils faisaient toujours confiance à leur roi, même après qu'il a envoyé tous ses hommes au massacre. C'est un ordre de croire en lui, malgré ses échecs. Ça va, mais encore un de ce côté. C'est Scathy. Maman l'aimait beaucoup. C'était une grande chasseresse. Voilà son nom. Les animaux qu'elle chassait. Non. C'est trop fort ce move en fait. Les enchaînements c'est trop important dans le jeu en fait. Au début j'avais pas trop compris mais en fait si c'est grave. Faut vraiment faire des enchaînements pour glacer les gens et tout. Passer là donc okay. Attention, on a le choix. Mais vas-y le gamin il sera quoi là, ah, rien le gamin là. Le gamin il sert à rien en fait les gars. Il dit attention derrière toi mais il attaque pas. Qu'il a construit, ça devait être impressionnant à l'époque où il régnait. Ah. C'est le moment de voir si les dragons peuvent se montrer reconnaissants. Tu dois trouver une pierre de guérison. Allez là, je veux... Tente le verrou. Tu dois trouver une pierre de guérison. Mais il n'y en a pas. Ouais. Bon. Par contre, c'est vrai que c'est embêtant, c'est la vie. Hein. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de pierres de guérison. Hein. On n'a pas tant que ça dans le jeu. Quand même. Après, il faut qu'il y ait un peu de niveau aussi. On va pas râler. C'est... On fait, regardez, on revient là.
C'est bon. Là, c'est bien, c'est bon. Oh, t'as une voix de quelqu'un là? Il va y avoir quelque chose là à la porte là, vous. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose à un boss. Ah ouais. Je sais, mais une créature comme ça devrait pas vivre en cage. Encore tes émotions, ignore-les. Tiens-toi prêt. D'accord. Aïe. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vie quoi. Faut quand même. Yeah.
c'est un budget, non ? Par contre, des fois, il y a des soucis de caméra, les gars. Enfin, je sais pas vous, mais... Enfin, par contre, là, je fais gaffe depuis le début. Allez, tiens. Ben voilà les gars. Kratos. Ta technique s'améliore. T'es bien battu, Atreus. Merci, père. Allez. On est passé, les gars. Je me demande s'il n'y avait pas de la vie dans un coin en plus. Faut bien que c'est, regardez les gars. Allez. Oh, un coffre doré. Intéressant. Ça fait du bien. On va libérer le dragon, les gars. Wow. Atreus, prépare-toi. Il est beau, hein. Ah, qu'est-ce qu'il est classe. Wow. Y'a pas de quoi. Et je pense, vous voyez, je le prédis, les gars. On verra si j'ai raison. Je pense qu'on risque peut-être de le retrouver plus tard. Ou qu'il vienne nous sauver, ou... Je sais pas pourquoi, je pense. Ça pourrait être stylé. À libérer les dragons. Ah d'accord, il y en a trois dragons, j'avais pas fait attention. Ok, bon, mais il y en aura d'autres, alors. Bon, mais les amis, je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour ce let's play, les gars, partie 3. On va arrêter là, voilà. Je vous dis à très vite dans la suite. Et prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter la vidéo, les amis. Et je vous dis à très vite, bye bye, prenez soin de vous.